Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message eh bien, de ce mercredi 14 août 2024. Avant de commencer, petite philosophie du matin. Maître de son destin. Personne ne peut décider d'être heureux à notre place. En effet, personne. Nous sommes le capitaine de notre navire, de notre vaisseau, nous sommes le conducteur de notre véhicule ici, terrestre. Notre véhicule, c'est nous, c'est notre personne. Personne ne peut décider à votre place. Vous, vous êtes responsable de votre vie, de vos décisions, de vos actes, de vos pensées, et personne d'autre. Donc si vous décidez, eh bien, de ne pas être heureux, c'est votre propre décision. Ce n'est pas la décision des autres. Nous avons toujours le libre arbitre, et pas l'autre. Bon, ben, c'est un beau message pour ce matin, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé nuage, inattention. Alors, se plonger dans la contemplation de l'azur peut faire perdre quelquefois la notion du temps. Alors, s'il est facile d'être hypnotisé par la sereine évolution des nuages dans le ciel, n'est-ce pas? Eh bien, il ne l'est pas moins de se laisser parfois distraire au quotidien, au point d'en négliger, eh bien, les questions qui nécessitent toute votre attention. En fait, les nuages représentent tout ce qui vous empêche de vous concentrer. Et cela vous perturbe. On vous invite à rester ancré. À rester ancré quand vous étudiez, eh bien, une question. Car les pensées, n'est-ce pas, elles peuvent vite dériver et tourner à vide. On vous invite aussi à prendre votre temps, vraiment. À prendre votre temps et d'examiner soigneusement les informations dont vous disposez pour éviter d'être dépassé. Laissez évoluer vos pensées sans chercher à les forcer. Et cela ainsi vous aidera, eh bien, à conserver votre calme et à rester concentré sur, eh bien, le sujet qui vous intéresse. Vous savez, il est normal que vous soyez parfois préoccupé et que vous n'ayez pas la tête à ce que vous faites. Mais il faut respecter un certain équilibre, vraiment, pour garder les idées claires et se fixer des priorités. Avez-vous un projet? Que ça soit un projet professionnel, que ça soit un projet familial, un projet sentimental, eh bien, pour le moment, il y a des nuages. Il faudrait peut-être attendre que vous ayez plus d'informations pour prendre des décisions. Restez serein par rapport à ça, à ce que vous vivez présentement. Et essayez de ne pas ruminer. Essayez de ne pas fuir, peut-être à cet obstacle que vous rencontrez. Vous avez peut-être l'impression de ne pas vous concentrer sur ce qui se passe, sur ce que vous vivez. Et peut-être qu'il serait bon que vous amélioriez aussi votre gestion du temps.
Peut-être que encore une fois, vous vous éparpillez et là, on vous demande bien de gérer votre temps. Prenez vraiment du temps pour examiner soigneusement, n'est-ce pas, ce que la problématique du moment. Il vous faut des informations supplémentaires pour prendre des décisions. Et voilà les nuages, pourquoi il y a des nuages qui sont inattendus, parce que vous ne pensiez pas, vous pensiez que la route allait aller tout droit, mais toute droite, mais non. Voilà, il y a des embûches et là, on vous demande de prendre vraiment du temps pour examiner la problématique que vous rencontrez. Voilà pour le message. Et puis, je termine par le petit oracle des couleurs. Et aujourd'hui, c'est rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Ah oui, pardonner. Encore une fois, c'est pas facile, mais pour pouvoir avancer, il faut pardonner. Et je le dis et je vais encore le répéter, je parle par connaissance de cause. J'ai pardonné et croyez-moi, lorsqu'on pardonne, on n'est plus dans cet état de colère, cet état de vengeance. On n'est plus dans cet état où on haït la personne. Et lorsqu'on y arrive, eh bien, on a un poids qui est retiré de nos épaules. On est soulagé d'un poids, envoyé de l'amour. Je sais, c'est pas facile, mais lorsque on y arrive, eh bien, croyez-moi, l'amour rassemble. La haine divise. Donc, vous avez le choix. Le libre arbitre. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.